c'est Michel Desroches. Moi, je suis illustrateur, peintre. Je me souviens que très jeune, je dessinais beaucoup. J'ai dit que si je veux améliorer mon coup de crayon, il faut vouloir que je m'impose une discipline. Ce que j'ai fait, c'est que depuis 3 ans, je fais 3 dessins par jour. Je trouve ça intéressant. Souvent, les gens disent « Ah, t'as du talent » ou des choses comme ça, mais moi, je trouve que c'est plus le fait de pratiquer au quotidien cette discipline qui fait que tu l'améliores. C'est comme un athlète olympique. Patricia Walton. J'étais un artiste depuis 35 ans, mais moi, je travaille en sculpture, je travaille en mosaïque et je travaille en peinture. Ça m'a hanté toujours, la fabrication des vêtements, la figure de femme avec les robes, les chapeaux, les souliers, tous les accessoires féminins. My name is David Edwards. I'm a painter, working primarily in figurative work. I'm working in oil. I love working larger than life, making the figures bigger than they would appear in life. I love the quality of oil paint, being able to move it around the canvas and push it around and really build up the flesh is a real struggle for me. I have to really kind of fight with the paint to get it to feel three-dimensional and flesh. Pulling it from nothing into a full fleshy figure, I think, is my love and why I do what I do. Vive la virée! Je suis designer de mode et puis patroniste. Fait que j'ai commencé à faire mes patrons. Puis comme je voulais pas aller en industrie, j'ai décidé de partir mon entreprise comme ça. On a un contrôle sur le design plus grand parce que on fait 2 étapes dans la création. Puis je regarde beaucoup qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la mode, surtout à l'international, le moins possible au Québec, parce qu'il ne faut pas faire de copiage. Puis des fois, juste regarder des idées, ben ça rentre dans notre cerveau. Fait que c'est vraiment, ça peut être en prenant une marche sur le bord du fleuve. J'essaie de ne pas m'arrêter à un seul style ou un seul médium. Le plus d'ouverture possible. Vive la virée! Moi, je m'appelle Franck Desgagnés, je suis photographe. J'ai une partie de ma vie qui est consacrée à l'art, disons, avec des projets personnels. Ici, principalement, je suis dans le studio, je me sers surtout à faire de la photo de produits, quelques portraits. Je fais de la photo d'architecture et de la photo industrielle aussi. C'est une façon pour moi de mieux comprendre le monde qui m'entoure puis de l'explorer en même temps de toutes sortes de manières. Mon nom est Louise Lefebvre. Je suis designer floral. Je travaille beaucoup avec les branches. La nature m'inspire beaucoup. C'est la douceur, les fleurs. Tu sais, les fleurs, on a besoin pour toutes les occasions. Moi, toutes les occasions m'animent. J'oublie le temps. J'aime beaucoup travailler des matériaux comme le bois. Parce que le bois, c'est quelque chose qui est déjà travaillé par la nature. Ça avait toujours un sourire dans le visage de quelqu'un. Les artistes en art floral, on n'est pas des vendeurs de fleurs. On fait des créations. C'est comme des sculptures végétales. Moi, c'est Régis Pelletier. Le métier de rembourreur, c'est un métier d'homme orchestre. Parce qu'on a différents métiers, je dirais, dans le même. Le rembourrage en tant que tel, qui exige des techniques particulières selon les meubles et selon le type de matériaux qu'on va choisir. On va avoir le métier de tailleur et patronage. Le couturier, il va falloir aussi avoir une certaine créativité. On va souvent réinventer. Les gens, lorsqu'ils font refaire, profitent de l'occasion pour donner un autre style. On a la méthode, on sait comment faire la belle qualité. On a juste à la reprendre et à la refaire comme c'était fait à l'époque. Vive la virée! Mon nom est Marie-Josée Francoeur, je suis designer et je fabrique des instruments d'écriture, des tableaux et dernièrement de la joaillerie. Mon travail consiste à tourner le bois. Je tourne aussi de la résine. Alors la résine me permet d'incorporer des objets, des plumes, des parchemins. Je fais des collections à thème, alors comme la collection Jacques Cartier que j'ai créée en 2008. Le tournage est très très zen, il faut être là sur le moment présent. Alors c'est une discipline qui demande beaucoup d'attention. Mon nom c'est Diego Pulitano, artisan dans bijoux et des accessoires de mode. J'ai fait ma production surtout à partir du bois d'ici, combiné avec des bois exotiques. Je travaille aussi le cuir, l'argent et sterling, puis les pierres. C'est une collection unisex. Pour m'inspirer, c'est surtout aller travailler les matériaux nobles, les matériaux naturels. Bonjour, moi c'est Lydia Heure, je suis joaillière. Ce qui m'a amenée à faire des bijoux, c'est que j'ai toujours été une personne créative. J'adore travailler le métal. J'adore le fait que la joaillerie, c'est faire une pièce d'or, mais c'est aussi faire quelque chose qui va être porté à tous les jours par quelqu'un, ça devient une pièce unique. Je fais des bijoux essentiellement en argent sterling. J'ai plusieurs collections. Celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est ma collection Toi et moi. Georges Benny, je suis
restaurateur de céramique, de cristal et de tableaux. J'ai commencé à m'intéresser à la restauration, ça fait très longtemps, parce que j'ai commencé à faire des fouilles de type archéologique. Puis tranquillement, j'ai développé une spécialité pour la restauration invisible, pour spécifiquement la céramique. Et encore plus spécifiquement, la porcelaine, qui date d'avant le 20e siècle. Vive la vieille! Ça fait une quinzaine d'années que je souffle le verre. Depuis ce temps-là, on a une petite compagnie de verre où on fait le verre soufflé et le chalumeau. On peut utiliser pour faire des billes. Je fais aussi des sculptures avec. Ça doit être chauffé. It has to be cooled down very slowly. On met ça dans du vermiculite. J'adore la transparence du verre. J'aime les formes très organiques et vivantes. Les créatures de la mer, les fleurs, les choses organiques. Vive la rivière! Pierre Daigle, je suis artisan ébéniste. Ça fait longtemps que j'ai décidé que je vais faire ce que j'ai envie de faire plutôt que de faire ce que les autres ont envie que je fasse. Depuis que je suis tout jeune, j'ai envie de réparer des trucs, démonter des trucs, etc. Puis en lisant puis en fouillant, je me suis aperçu tranquillement que la civilisation québécoise, au tout début, c'était des gens qui devraient se débrouiller avec les moyens du bord, puis il y avait profusion de bois, puis bon, ben ils se sont débrouillés. Puis c'est un peu l'histoire de notre culture, dans le fond. Comme à un moment donné, on m'a demandé de réparer un vieux meuble, après ça un autre. Et puis tranquillement, je me suis aperçu que, wow, c'est super le fun. Vu que j'étais pas capable de m'en acheter, bon, ben je me suis dit, je vais m'en faire moi-même. Mon nom est Rémi Brousseau, je suis luthier. J'ai choisi ce métier-là, principalement à cause de ma passion pour la guitare. Je suis guitariste depuis l'âge de 15 ans. Ça a grandi sur moi. J'ai vraiment le goût de l'instrument, le goût du bois, de faire quelque chose de mes mains. C'est une musique particulière, axée sur le son, axée sur la résonance de l'instrument. Il faut que tous les assemblages soient parfaits. Donc, d'avoir une bonne rigidité versus son poids pour avoir une résonance qui est maximale. Toutes des petites choses comme ça qui sont particulières à la lutherie. Si on veut, la table va être le moteur et puis le son va être ensuite réfléchi vers l'extérieur par les côtés et le fond. Donc, beaucoup de bois de rose, beaucoup de noyer, beaucoup de coco bolo, des bois exotiques. Pour la table, on utilise beaucoup de bois canadien, des épinettes, aussi des cèdres. Et puis, pour le manche, c'est souvent de l'acajou ou de l'érable, notre érable canadien fonctionnel. Donc, moi, mon travail se termine, mais la vie de l'instrument commence lorsqu'il quitte mon atelier. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Vive la virée! Moi, Marianne Chénage, artiste céramiste, à fabriquer des objets de l'art de la table et aussi des installations, des pièces un peu plus expérimentales faites de porcelaine. Dans ma démarche artistique, je reprends beaucoup des objets qu'on retrouve dans notre quotidien. Au-delà de ça, c'est plus l'histoire qui m'intéresse. C'est que la céramique, ça se retrouve dans notre quotidien, notre vaisselle, mais c'est aussi les tuiles, c'est dans l'architecture, c'est nos toilettes. Vive la virée, mes ateliers! Venez voir! Nous, ça l'est. Ce qui est fascinant avec la restauration, c'est l'aspect historique. C'est-à-dire qu'à travers les morceaux, il nous est possible de voir et de comprendre aussi les méthodes de production qui ont existé à différentes époques. Puis ça, c'est un monde, c'est comme une histoire qui nous apparaît tout d'un coup. À regarder le morceau, la façon dont il a été fabriqué, à retrouver encore des empreintes de doigts. L'avantage avec la restauration de tableaux, c'est que les produits que l'on utilise pour restaurer les toiles, c'est toujours les mêmes. C'est des produits qui sont naturels, qu'on retrouve depuis de milliers d'années et qu'on utilise encore. Comme on est au 21e siècle, j'utilise aussi des produits du 21e siècle. Dans les tableaux, je joue avec du fil de métal, du verre concassé, de l'écorce et la résine que je travaille sous forme de couche. Donc, ce qui donne un effet de profondeur, de transparence. Vive la virée! Mes collections sont en argent sterling simplement parce que l'or, comme un petit peu cher ces temps-ci. Alors, ça me fait toujours plaisir de travailler l'or, mais je le fais plus pour des commandes privées, des gens qui ont envie de, par exemple, des jours de mariage ou transformer un bijou en quelque chose de nouveau. Ça, je suis ouverte aussi à ça. Vive la virée! Depuis que je habite à Montréal, ici, on peut trouver différentes matières, des matériaux d'un peu partout dans le monde. Donc, mon idée, c'était vraiment de sortir de l'ordinaire et aller chercher des matières d'un peu partout, puis faire une collection unique. Vive la virée! À la base, je pensais pas partir une entreprise, je pensais pas avoir des employés, mais on vendait bien, puis j'aime beaucoup le côté production aussi, c'est une autre de mes particularités, j'adore le côté production, et c'est pour ça aussi que tout est fait ici, dans la Grover. Vive la virée! C'est peut-être environ un an que je fais du dessin à la plume parce que je me suis pratiqué beaucoup au graphite. Au graphite, tu peux vraiment effacer. Hein, tu as comme l'option de pouvoir effacer les mauvaises lignes, comme on dit. Mais avec la plume, il n'y a pas vraiment
le retour en arrière. Donc, j'aime quelque chose qui transcende un peu l'image quotidienne. J'aime ça, essayer d'amener le spectateur à quelque chose de plus grand. Vive la virée! Je trouve fascinant que ça se retrouve dans le quotidien des gens. C'est un peu, je trouve que pour un artiste, de travailler avec ce médium-là, ça devient un potentiel incroyable. T'es capable de faire comprendre aux gens pourquoi boire dans une tasse faite main au lieu d'une tasse faite en industrie. C'est les gens qui sont capables de capter ça. Après, on a changé leur vie, puis là, ils peuvent plus boire dans des tasses faites en production massive. Bon, pour défendre notre culture, non. C'est pas tellement mon genre, c'est juste parce que je suis passionné par ça. Vive la virée! J'ai commencé à juste pris mes frustrations dans un marteau et j'ai frappé, cassé tout. Puis j'ai essayé de tricoter ensemble, emballer avec le fil, puis faire les objets. C'était quoi les objets? C'était la robe qui m'a hantée. Et moi, j'aime ça, la métamorphose, j'aime ça, la transformation, si tu veux, d'un objet qui ne vaut rien, maintenant, à quelque chose de beauté. Et il a transformé en art. Vive la virée! I don't really have a specific type of model that I'm looking for at all, but just someone who's comfortable and who's willing to try different poses, different ideas, and I very often like to collaborate with the models. I think I look more for the character. If I feel that the person is able to translate the image that I'm trying to create, I want it to look like a kind of beefcake calendar or something like that. Another nice thing about these long brushes is because I'm so short, it's nice to be able to vive la virée. Si je travaille à partir d'un croquis, ma peinture, je trouve que déjà j'ai assimilé le sujet d'une certaine manière en l'ayant dessiné, comme si je prenais possession du sujet, comme si je captais l'âme du sujet, puis je suis capable de le rendre sur toile. L'art est partout, partout, partout. C'est juste une question de regarder, prendre son main et utiliser l'imagination et tu as ça, un objet. S'arrêter de regarder ce cadre-là, de l'explorer, c'est aussi une façon de regarder le monde. Quand je marche dans la rue, je ne suis pas toujours en train de faire des photos, mais j'exerce mon œil quand même par rapport à la lumière. Mais quand vient le temps de faire une photo, là, tout l'aspect du cadre, qu'est-ce que j'inclus, qu'est-ce que j'exclus de l'image, c'est vraiment une façon différente de voir le monde. Ouais. Ben, vive la virée!